Et nous sommes de retour pour un nouvel épisode. On doit aller vite. On va partir. Enfin, on doit aller vite. On doit attendre que la tempête s'arrête un peu. Alors, on va devoir rentrer. On a déjà mangé ça. On va devoir rentrer et aller forger tout ça. On veut faire la forge aujourd'hui. On va faire la forge dans cet épisode. Comme ça sera fait et on n'en parle plus. Donc on a 27 ferrailles. Je sais pas combien de ferrailles on va prendre sur nous. On avait dit quoi la dernière fois? On avait dit minimum 15. On avait dit minimum 15. On va sûrement... Ouais, une vingtaine, allez, une vingtaine. On verra. Mais il faut d'abord rentrer. Il faut qu'on rentre. Je vois strictement rien. On va faire le tri de ce qu'on récupère sur nous. Ok. Alors. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, ça. Les boyaux aussi. Les livres. Les livres, je sais pas. Les livres, j'ai envie de les prendre. Mais... Ah, attendez. On peut poser ça là. Voilà. Les livres, on peut les prendre. Voir un peu les trucs comme ça. Honnêtement, ça sert limite à rien, les bombes de peinture. Ils avaient rajouté ça pour faire des marquages et tout, mais honnêtement, c'est pas vraiment très très utile. Voilà, ça c'est très bien, on prend. On est à 36 kilos, on va être lourd, hein. On va être très très lourd. On va se goinfrer de viande, comme ça, ça fera ça de moins à transporter. Le bois, on en prendra chez nous. Oh, il y a ça aussi. Je l'avais pas vu. Ok. Donc ouais, dans cet épisode, on veut absolument avancer et faire nos flèches, nos pointes de flèches, nos têtes de flèches. Et la hachette. Comme ça, on aura tous les outils et on sera nickel. On va voir un peu le calvaire que c'est dehors. Ah, c'est un peu la merde. C'est de la viande crue. C'est de la viande cuite. On est en pleine forme, donc on peut pas... Est-ce qu'il va faire jour bientôt? On a encore un petit moment, en fait. On a encore un petit moment. Donc, on va manger ça. On va boire. On se goinfre exprès, parce qu'on a encore un peu de viande à la maison et tout ça, puis on a ça. Puis on a des massettes aussi. Mais on se goinfre un peu exprès pour que on puisse... On n'a pas besoin de vraiment de prendre trop de ressources sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? On part maintenant. On est dans le froid, c'est un peu embêtant. Enfin, il y a une tempête, quoi. J'ai pas grand-chose à faire, en fait. Je peux pas lire. Je peux... Ah! Attendez. Oui, voilà. J'aurais dû laisser par terre les boyaux et tout ça, en fait. Ah, ça s'est calmé. Bon, on peut y aller maintenant, peut-être. Ok, très bien. J'allais déposer les boyaux et tout. Si jamais c'était la merde. Ok, on va prendre ça sur nous. Si on dépose des leurres, c'est un boyau. Alors, j'aime pas trop cette visibilité. C'est un peu visibilité nulle quand même. Mais il fait pas froid, donc on en profite, on part.
On est à 39,28. On prend strictement rien en plus. Parce que si on dépasse les 40 kilos... Je crois que c'est 10 kilos. Si vous avez plus de 10 kilos de différence avec votre limite, on pourra plus sprinter. Et sprinter, c'est un peu vital. Donc là, on va passer par la rivière. Là, il y a le pont derrière nous. Je sais qu'on voit pas énormément, mais on va se débrouiller. Donc quand on rentre, on fait le tri de ce qu'on prend. On dépose toutes les pots et tout ça. On n'a pas besoin. On va prendre minimum... une vingtaine de métal. Une vingtaine de métal. Un peu de tissu. S'il en faut au moins un pour la hachette. Non, on en prend un peu plus. On prend tout le charbon qu'on a. On va en trouver sur le chemin de toute façon. Après le bois, on n'en a pas beaucoup, je crois, de réserve. Donc on va devoir en récupérer sur le chemin. Ça, c'est pas vraiment un problème. On voit pas grand chose. Bon, moi j'arrive un peu à voir, mais je sais pas si vous voyez bien. Parce que ça, c'est un des pires temps en fait. Ah, je crois qu'il y a un truc par terre. C'est quoi? C'est une carcasse? C'est quoi ça? Ah, c'est un cadavre. Ok, bah merci. Ça servait à rien. Donc, on va passer. Ah, par contre, là je vais au centre en fait. On va passer par les wagons. C'est peut-être dangereux en fait, il y a peut-être des loups. Enfin, c'est pas grave, je vais essayer de bifurquer sur la gauche. Sur la gauche, je crois qu'il y a des montagnes. Enfin, si, il y a des montagnes, mais je crois qu'on peut monter. Je crois qu'on peut monter dessus. Donc on va voir. On va voir ça. Ouais, là on arrive au rail en fait. Donc ouais, on va faire ça, du métal et tout ça. On va prendre... C'est quoi ça? Ah, c'est la petite locomotive, là, ou je sais pas trop quoi. J'ai cru qu'elle était plus loin. Là, en fait. On fera ça, on va crafter la hachette, les têtes de flèches, ça va être cool. Après, on pourra faire nos flèches, on fera notre arc, mais ça, on le fera à la maison. On va pas le faire là-bas, sinon c'est trop dangereux. Putain, je vois rien. Au pire, on reviendra parce que là, on va juste regarder vite fait. Mais... Oh, ok, un sac de couchage. Merde, il y en a plein là, non? On est à 40,28. C'est un problème. Charbon. Pas besoin. Ok, très bien. Où ça? Ok, derrière. Il est où? Je vois pas. Bon, maintenant on peut pas faire demi-tour. Ah, c'est ici, je vois. Bon, on peut pas faire demi-tour, donc on va continuer au rail. Je suis désolé si c'est un peu sombre. Mais je voulais partir tôt en fait. Pour qu'on ait du temps et tout ça, et pour aller à Muskegmorn et tout ça. C'est assez loin, c'est... Ça peut être un problème, en fait. Bon, s'il est déjà derrière nous, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il nous rattrape. On va peut-être lui donner un boyau. Un leurre. On va peut-être lui donner un boyau, on va voir. S'il se rapproche un peu trop, que ça devient un peu trop dangereux, boyau. Là, pour le moment, ça va. Alors, on va essayer de monter par là. Parce que je sais que j'étais passé des fois, plusieurs fois, où on peut rester en hauteur, en fait. Et après, on peut faire ligne, plus ou moins ligne droite sur notre maison. Ça, je l'avais déjà fait. Pour ça que de passer de ce côté, depuis ce côté à là-bas, ça va. Par contre, l'inverse, c'est pas possible. Normalement, là, on peut monter. On voit le loup, là. Très bien. Encore une fois, je suis désolé si c'est un peu sombre, mais bon. C'est pas ma faute, c'est le temps. Alors, on monte un peu. Et on bifurque. Ok. Nickel.
Bon, lui aussi, il peut grimper. Hein. Ah, ok. Vous voyez, là, on est, y a les wagons en bas. Tiens, il y a ça. Ah, merde. Ah, prends-le! Merci. Ah, super. Il nous a re-aggro. C'est bien. Ah, il est là. Ok, il commence à faire un peu jour. Ok, vous voyez, là, il y a les wagons. Donc, nous, on va rester comme ça. On va pas sprinter, sinon on va se casser une jambe. On est bon. On est bon. Ouais, quand on est dans des montées, descentes et tout ça comme ça, ils ont souvent tendance à nous lâcher. Un peu tôt. Ok, je crois que je peux rester en hauteur tout le long. Ouais, ouais, on peut rester en hauteur tout le long, jusqu'à notre maison. Pas besoin de redescendre. Ah. Et avant de partir aussi, on va faire cuire des boissons. Et de la nourriture, si on a. Comme ça, on aura le bonus de chaleur. Et on sera nickel. Allez, on a des crampons. Ok, nickel. Ligne droite. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ce machin? C'est pas un loup, en tout cas. Oui, c'est la brebis, là. La biche. Ok, très bien. On a des morceaux de viande à cuire aussi. Ah, peut-être qu'on va cuire aussi. Cuire les morceaux de viande. Avant de partir. Comme ça, ça nous fera plus de viande à manger avant de partir. Non. Alors... Yeah, let's go! Yes, on est rentré! Très bien, je suis content. Je suis content. Alors, peau. Bam, bam, bam. Bois. Bam, bam. Boyau. Bam, 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 bam. Très bien. Marteau. Faut prendre marteau avec nous. Faut pas l'oublier. C'est l'objet un peu le plus important du truc. Ça... Ça, pas besoin. On va en garder 10. Ça suffit largement parce qu'il en faut qu'un seul. Le fait-tout. Le fait-tout, le fait-tout. On s'en cogne. La lampe, on s'en cogne. Les bouquins, pareil. Ça aussi, pareil. Voilà. Ça. Les livres, là. Je vais poser les trucs sur le sol apparemment. Aïe! Aïe aïe aïe, tout ça. Tais-toi, je suis en train de ranger. Faut que je me concentre. Ça. Nickel. Encore un livre. Vêtements. Vêtements, il faut les mettre là-haut. On a les charbons à prendre.
Donc faut faire cuire les deux morceaux de viande. Et après on fait... Non, c'est pas ça que je veux dire. On fait des trucs de chaleur là, pour nous buffer. Hop, ça. Désolé, je vais vite, mais bon, c'est pour éviter qu'on soit dans la mouise. De l'eau. On n'a pas d'eau. 1, 2, 3. 3 litres, c'est très bien. Des massettes, on va en prendre 20. 20, c'est très bien. Ça, on va en prendre une de plus. Après, on en a deux. Ça, oui, ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Là, on a 4 et 2, c'est très bien. Normalement, je prends 5 de chaque. Ça, on va le garder là pour le moment. Enfin, quoique, c'est 0,5. On va le garder sur nous. Le charbon, on garde. Ok. Est-ce que j'ai du bois sur moi? J'ai pas de bois. Ah, ok. J'ai pas de bois. Il nous faudrait du bois. Il nous faudrait au moins 1 heure et demie de feu. Ouais. Il nous faudrait 1 heure et demie de feu. Je vais pas utiliser le charbon. Parce que, enfin, après, ça m'étonnerait qu'on en ait besoin, mais... Ah, on aurait dû peut-être prendre le bois de récupération qui était là-bas. 1h30, 2h, putain. Qu'est-ce que ça prend du temps? Pas des caisses là-haut? Ah, c'est fou de manquer de bois, quoi. Ok. Est-ce que j'ai petit bois? Je n'ai pas petit bois. Par contre, j'ai un livre. Après, on a un accélérateur. Ça, on va le garder pour la forge. Ça sert à rien, honnêtement, les accélérateurs. Oui, ça vous fait 100% du feu. Mais, bon. C'est pas vraiment très utile. En fait, c'est bien. Si vous en trouvez un, utilisez-le, point barre. C'est, voilà. Perfect. Rien à dire. Okay. J'ai utilisé quoi comme combustible? Non, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. 41 minutes, 41... Non, ouais, 40, 26, 1h10. Un truc qu'on peut faire, c'est ça. Je sais qu'on a un truc à cuire. Alors, ça, on peut pas. Ça, on peut. Ça, on peut. On va attendre encore un tout petit peu, parce que ça va cuire très vite. Donc, en fait, on peut faire 3 cuissons, là. On peut faire ça, donc c'est prêt dans 20 minutes. Et après, on peut faire ça. Jeter. Et vu qu'on est à côté du feu, ça va l'ouvrir automatiquement et ça va le faire cuire, en fait. C'est très bizarre, mais... Voilà. Parce que ça chauffe, en fait, quand c'est à côté d'un feu. Donc voilà, 12 minutes, 3 minutes, 18 minutes. Nickel, nickel. Ah, c'est quoi, ça? Ah, c'est un backer que j'ai même pas vu. On reprend le couteau. Alors, 27, ça fait un peu beaucoup de métal, on va en déposer, on va en prendre que 20, ça ferait 5 pour la hachette et 20 et 15. J'en ai un peu lourd en fait. Café. Tout ça, j'en ai pas besoin, honnêtement, ça prend de la place pour rien.
43. De toute façon, on va trouver du bois sur le chemin. On va devoir le prendre. Bon. 28 minutes. Brûler dans 40. Dans 3. Je pense qu'on va pouvoir partir direct. On va manger ça. Je sais qu'on a un peu de nourriture à l'extérieur. De la viande à l'extérieur. Donc ça, on va la garder. Ça, on va le manger aussi. Nickel. Et ça, on le mange chaud. Voilà, on a le marteau. Ça, le pied de biche, on peut... Ah non, le pied de biche, non, il y a peut-être un casier là-bas. Ça, on garde, ça, on garde. Le métal, on a. Le métal, on a. Le métal, on a. Ok, let's go. On est parti! On peut faire du feu, on peut faire de l'eau. On a ça, on a du café. Yes, let's go. Nickel. Tada! On est parti. Oh, un brouillard. Ok. Donc il faut trouver quand même pas mal de... Alors il y a une grotte, comme j'avais dit. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Il y a une ou deux grottes. C'est quoi ça? C'est la biche? Il y a une ou deux grottes qui sont... Merde. Qui sont sur les rebords de Muskegmorn. Eh merde. De Muskegmorn. Du coup... Du coup, on... Du coup, on peut aller chercher du charbon là-bas. Mais on en a quelques-uns... Le réchauffement, c'est déjà expiré. Putain, c'est rapide. Ah, mais parce qu'on n'a pas dû manger tout d'un coup, parce qu'on était full en calories, on n'était pas. Mais ouais, on va trouver sûrement du charbon là-bas. Donc il devrait pas avoir de problème. Mais si jamais il nous en faut, je sais où aller. Dans les grottes et tout ça. Et après, une fois qu'on a le charbon... Enfin, de toute façon, il n'en faut pas beaucoup pour augmenter. Je crois que c'est 150 ou 100 degrés. Non, 100 degrés, ça m'étonnerait, c'est juste pour faire bouillir de l'eau, ça. Non, ça doit être du 150 pour forger. Je pense, ou 130, un truc comme ça. Donc il faut un certain nombre de charbon pour pouvoir aller à cette chaleur, puis après on met que du bois. Donc le charbon, c'est, on n'a pas besoin, pas trop besoin en fait. Pour l'instant, on a la torche, donc il peut pas faire grand chose. On va directement tracer. Tunnel ferroviaire. On n'a pas froid. Okay. Pas besoin de le garder allumé. Wow. Ah, mais toi tu... Ouais, mais toi on va pas te prendre. Pas... On la prendra au retour, si on... parce qu'on sera moins lourd, non, en théorie. Bienvenue à Muskegmorn. On a un temps pourri, c'est le pire qu'on puisse avoir à Muskegmorn. Alors Muskegmorn, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout plat. Il y a des rails en fait en plein milieu. Mais c'est très plat parce que c'est un lac en fait. Qui est gelé. Alors, il y a le côté un peu... Sur les côtés, il y a un... Sur les extrémités, en fait, de la map, il y a un peu des arbres et tout ça. Mais sinon... c'est plus un lac et c'est plat, quoi. Alors, le truc, c'est que plat, on peut voir les ennemis... Enfin, les ennemis, les animaux venir de loin, c'est vrai. Mais la glace casse.
La glace casse ici. Ça, c'est un problème. Et vu que là, on a zéro visibilité, on va pas aller dans les forêts parce qu'il peut avoir des loups. On va rester sur les rails au centre. On va aller aux wagons qui sont un peu au milieu, plus ou moins au milieu de la carte, de la région. On va récupérer... Ah oui, oui, oui. Non, bah, on va y aller en fait parce que on peut récupérer des choses là-bas. Et on peut récupérer du charbon potentiellement. Donc on va, y aller. Il y en a souvent. Donc on va faire ça. On a des massettes aussi si on a faim. Je vois bien que le brouillard se lève en fait. On a encore une après-midi. Ah, quoique, j'ai l'impression que ça se lève. Ou alors c'est moi, c'est parce que j'avance. Mais... Par contre, on n'a pas froid, ça c'est bien. C'est très très bien. On n'a pas... On n'est pas trop reposé. Ah ben voilà, ça se lève un peu, vous voyez. On n'est pas très reposé, mais... Je sais pas. Je sais pas si on... Genre quand on arrive, est-ce qu'on se... On se couche? Ou alors on forge directement? Je sais pas ça. On prendra peut-être un café. Histoire de forger le reste. Genre on arrive, on forge direct, on fait tout ce qu'on doit faire. Puis après on dort et on se casse. Vous voyez, peut-être qu'on peut faire ça. Comme ça on n'en parle plus. Parce que si on commence à dormir... C'est possible que bah, on y passe beaucoup plus de temps en fait. Puis après, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il y a le feu qui est parti, le truc, il sera à 200 degrés, quoi. Donc là, il peut avoir une tempête, ou est-ce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a quoi. Il n'y a pas des objets, des... Ah, là, 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 là. Ok, cool, charbon, métal, charbon. Rien. Ouh, nourriture, charbon... Ah non, métal. Corbeau, croix-croix. Maintenant de l'autre côté. Charbon, fusée. Ah, livre. On va pas les prendre. On va les garder de côté. Bon. On est arrivé jusque là. Je t'ai laissé de l'équipement. Aucune idée de ce que c'est. On verra ça plus tard. Un gilet duveté. C'est bien ça ou pas? 18%, 0,5. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Par contre, j'ai pas de... du charbon. Voilà. Fusée, on la prend parce que on va... Oh. On risque de... tomber sur des rigolos, donc autant prendre la fusée. D'accord, il y a des corbeaux là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va pas aller par là. Je crois que le plus safe... C'est la glace peut casser en fait. Donc, je crois que le plus safe, le plus tranquille, c'est de continuer un peu. Vers l'avant. Il y a des corbeaux là-bas aussi. Et après aller sur la gauche. Un peu plus loin. Pas en plein milieu de la glace. Ah non. Ça c'est embêtant parce que ça peut être intéressant. Ah non, ça a l'air d'être une carcasse. Ouais mais bon, enfin la carcasse c'est utile aussi. Parce que ça serait... potentiellement de la peau. Non, ça a l'air d'être un humain. Je pense ça rien. Alors, on avance encore un peu et après ça sera à gauche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas besoin de se presser pour le moment. Tout va bien. De toute façon, après, comme j'ai dit, c'est pas très grave, les pots. Parce que là, on a trois pots qui sont en train de sécher. Trois pots. Excusez-moi. Merde, on a un loup là. Trois pots qui sont en train de sécher.
Est-ce que je peux passer par là? Par là comme ça peut-être. Ok, me fais pas chier. Hein. Et avec ça, on peut faire les bottes ou déjà un pantalon. Il va falloir qu'on fasse deux pantalons hein, au passage. Ok, on va passer par là. Deux pantalons et des bottes. Donc il nous faut... Les pantalons, c'est 3 pots. Donc il faut 6 pots. Et les bottes, c'est 2. Donc 8 pots total, c'est beaucoup. Oh mon dieu, il y a un loup juste là. Ça, c'est embêtant. Je peux passer par là ? Aïe. Pas qu'on tombe sur de la glace qui casse, sinon on est dans la merde. Putain, y'a un loup là. Ah, Muskegmant, c'est pas la joie. Hein. Y'a un loup là ou pas? Ah non, 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 y'a pas de loup. Non, c'est juste... non, non. Faut aller de d'îlot en îlot en fait. Là on devrait être bon. Ouhouhou. Merci les crampons. Alors eux ils peuvent pas la franchir, la glace qui casse. Ils peuvent pas la franchir. Voilà. On s'en fout un peu. Par contre, peut-être pas passer par le bon chemin. Yann Remorse. Ah si si, c'est bon, nickel, nickel. C'est ça que je voyais pas en fait à cause du rocher. Ok, on est bon. On est golden, on est bingo là. On est bingo, c'est un peu stressant, mais ça va. I can't wait to get home. Ça, c'est un truc que j'aurais toujours voulu. C'est avoir soutenu le projet de The Long Dark avant qu'il sorte. Comme ça, j'aurais eu mon nom quelque part. Ça aurait été cool. Métal, bois. On est proche de la forge, donc on peut un peu se blinder l'inventaire, même si on est un peu lent, c'est pas grave. Par contre, les plumes, faut prendre. Les plumes, c'est le plus chiant, en fait. Il y avait un truc aussi, ce que je faisais avec... les flèches. Quand c'était sur le point de casser... Alors, je crois que c'est... 3 flèches ou c'est 2? Non, pardon, plumes. C'est 3 plumes ou 2 plumes? Je sais plus. Je crois que c'est 3 plumes pour une flèche. Faut que je regarde après. Enfin bref, en tout cas, l'idée c'est de genre 3 plumes. Si on la casse, si on la recycle avant qu'elle casse, on récupère toutes les plumes. Donc du coup, il nous faut juste une tige pour refaire une plume, pour refaire une flèche. Oh putain, j'arrive. Ah, les mots, je les switchais tous, c'est horreur. C'est une horreur. Putain. Mais si par contre la flèche casse, on n'aura pas assez de plumes pour en refaire une. Il faudra en trouver en fait. Ok, nickel. Donc ça c'est chiant et c'est vrai que j'avais pris l'habitude des fois de... Quand je sais qu'une flèche va casser, je la casse moi-même. Je la recycle moi-même avant qu'elle casse. Parce que c'est vrai que les plumes, c'est relou. Hein. Les plumes, c'est bien relou à trouver.
Parce que là, j'ai 24 plus de flèches, je crois. C'est quoi qui fait du bruit? Oh, ok, serre, ça marche. J'ai 24 fûts de flèches, mais je vais pas pouvoir les faire, les 24. Hein. Il faut plein de plumes. J'en ai pas assez, hein. J'en ai largement pas assez. On va en faire quelques-unes, on va devoir commencer à tuer des trucs, puis après on va attendre que les corbeaux viennent, récupérer des plumes, etc. etc. Ça, c'est un peu le problème, c'est les plumes, en fait. Je trouve ça un peu chiant. Mais bon. On y est. Et derrière, il y a des cerfs. Parfait. On y est. Alors. Ça. Nickel. On boit ça. Ça. Nickel. On a un feu. On a ça. On est un peu lourd encore. C'est tout le métal. Ok, nickel. Boîte de combat, on va regarder ça après. On va d'abord tout fouiller. Ouh, nickel. Nickel, nickel. Alors si je me rappelle bien, je crois que si on casse des caisses, il y a des chances d'avoir des objets à l'intérieur. Je crois que c'est les... Oh, bien, bien, bien. Ouh. Ça c'est un backer, on s'en fout. C'est les seuls, ou alors c'est les très rares caisses en fait qui ont des objets à l'intérieur. Peut-être celle-là aussi. Oh. Yes, il y a de la nourriture, ça. C'est un cerf, hein. Ouais. Ouais, ok. Ça m'a fait un peu peur sur le coup. Je me suis dit, attends, c'est bien un cerf, quoi. C'est bien des cerfs et des biches et des trucs. Ils vont pas me défoncer la tronche, quand même. Bon, nickel. On peut commencer à faire le feu, honnêtement. Comme j'ai dit, comme ça, on n'a pas besoin d'attendre 3 heures. Ouais, let's go. Let's go. Puis on fait durer le feu le plus longtemps possible. Alors, on voudrait faire ça, accélérant. Faire du feu. C'est parti. Dormira avec le feu allumé si on veut. Alors on peut augmenter déjà un peu le feu avec ça. Ça aussi, on va voir à combien de... Ouais, mais ça met 3 heures à augmenter. Ah, mais ils ont changé le système alors. Et du coup, il faut le charbon en fait. Ça met du temps en fait à augmenter, c'est ouf. Incroyable. Il faut 150 degrés. Bon ben on va attendre. Alors, on a 10 heures. C'est quoi ce lag là quand j'ouvre le menu? C'est ouf. Ah oui, il faut que je regarde les vêtements là qu'on a récupérés. Attends, on va se mettre là parce que on est tranquille comme ça si jamais on essaye de nous attaquer. Alors, vêtements. Ça. Ah merde. Ça, c'est aussi nul que ça, les bottes de combat. Ouais. On perdrait 1 degré en fait. Par contre, 20% de... on gagnerait 15% en humidité, défense d'humidité, et
3% de défense. Ouais, non, bon, on va pas les prendre. Pas utile. On va faire ça. Alors... juste faire un petit tour, vite fait. C'est quoi ça? Planche. Ah, boîte. Là, on devrait être à la température idéale. Ancienne propriété. Ça y est, ça commence. Ouais, on va rentrer, parce que je vais pas pouvoir me déplacer. Voilà, ça commence, le vent. Là-bas, y a des bâtiments cassés, détruits. On peut aller aussi les fouiller, mais c'est un peu plus loin. What? Il y a des loups. Hein. Il est où? Je sais pas si ça a marché. Est-ce que je peux avoir accès à la forge ici? Non, notamment. Fais chier, il est en train de tout bouffer, connard. J'aurais bien voulu lui faire peur et après on... après on s'en va. On va se mettre là. 150 degrés. Hop. Il nous faut un peu plus. Il nous faut en fait du charbon. Excusez-moi, j'avais une alarme qui sonnait. Nickel, forge. Alors, tête de flèche. Ah oui, mais la ferraille est par terre, putain. Ok. On va se mettre là, dans le coin. Voilà, très bien. Alors, la hachette est le plus chiant. Ah oui, par contre ça se fait en un coup. Merde, j'avais oublié ça. Aïe aïe aïe. Ouais. Feels like night is coming. J'avais oublié ce détail, que ça se faisait en un coup. Ça on l'a cuit. Donc ouais, c'est dangereux. On fera cuire ça. Donc là il nous reste 7 heures. Donc on a notre coutela qui est là. La hachette improvisée. Elle est très moche, honnêtement. Très très moche. On a toujours notre couteau. Donc le couteau, c'est pas la peine. Pointe de flèche. 2 heures. On dorme un peu. Ok. On va rajouter du bois pour que ça dure longtemps. Sept heures.
On va faire cuire ça. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tout va bien. On va même économiser un peu de ressources. Alors on a combien de feux encore? On a 10 heures. 10 heures, on va faire un bon 6 heures de sommeil. Normalement, si on... Ah, je sais pas si la force, ça marche comme ça. Parce que plus il fait froid, et plus le temps, en fait, va être décuplé du feu, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous êtes à une température positive, du coup, le feu, bah, si c'est une heure, bah, ça va être une heure. Mais là, on a dormi, donc fais voir un peu. Il nous reste encore 6 heures. Vous voyez, on était à 10 heures, on a dormi 6 heures, et il nous reste quand même 6 heures. Donc, c'est nickel. Alors, très bien, forge. Ok, nickel. I could eat a horse. Encore 5 heures. Oh, les corbeaux, c'est pas... C'est pas la brebis. Attendez. Ah, putain, mais c'est méga loin. Ok, très bien. On peut voir un peu le résultat des courses. 14... on a ça, ça. 14. J'ai envie de faire un couteau dans un sens. J'ai envie de faire un deuxième couteau, une deuxième hache et tout ça. Mais je me dis qu'on a plein de pierres à aiguiser. Et comme je dis toujours, si jamais on est vraiment dans la merde, on reviendra en fait. Mais bon, m'étonnerait de toute façon. Je vais être honnête, je suis jamais revenu à une forge. À chaque fois, je dis, ah, au pire, si on a besoin de tête de flèche, si on a besoin de refaire un couteau, machin, on reviendra à la forge. Je crois que même ma plus grande survie, c'était la saison 5 avec 100 épisodes, etc. Je crois qu'on n'est jamais revenu. Quasiment certain. Fais chauffer Marcel. Ça va pas la tête. 26. Allez, encore 2 heures. Comme ça, on en a une trentaine. Puis on est tranquille. Puis après, on peut redormir un coup et partir. Trente flèches, c'est beaucoup, hein.
jeter tout le métal là, tout le charbon qui nous reste, ça on va le prendre sur nous. Ça il faudra le faire à un moment ou à un autre, mais on le fera pas maintenant. On a combien? Ah, mais on est à 27 kilos, ça va. On va dormir. Et voilà. Alors on va s'arrêter là. Ce sera notre épisode. Ce sera notre épisode. La prochaine fois, parce qu'en fait, ça va être un peu trop long. La prochaine fois, on va rentrer. On va dormir 5 heures à peu près. On va dormir 5 heures. On va rentrer avec tout notre bordel là, c'est très bien, ça s'est super bien passé. Trentaine de flèches, on a les outils. Et c'est nickel, et après quand on sera chez nous, parce qu'on peut le faire là, mais c'est dangereux ici. Quand on sera chez nous, on fera donc notre arc, les flèches, etc. etc. Hein, dormir 6 heures. Et après, on pourra partir à l'aventure. On ira chasser, récupérer toutes les peaux qu'il nous faut pour faire les vêtements et tout ça. Nickel, nickel, nickel.